Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique Jean de Diable, Fort Jacotopon. Assieds-toi. Excusez-moi les enfants, il y a Jean de Diable Momo. Il faut faire quoi? Il faut mettre excellence, il faut mettre excellence. Comme tu te vois, toi, tu peux mettre excellence sur ton nom. Tu dis à qui? Jean de Dieu, tu dis à qui qu'il faut mettre excellence? Il faut mettre excellence sur ton nom. On peut mettre... Quand tu vois ton nom là, tu vois excellence devant. Même les autres ministres ne veulent pas t'adresser la parole. Ils t'ont tous bloqué. Personne ne veut... Tu sais qu'il rit même dans ton dos quand tu marches. Moi, je t'ai dit, moi, j'ai ton japap, Jean de Diable. Il faut mettre des excellences. Regarde-moi quelqu'un. Ça va te dire, l'autre fois, tu vois, la femme de Greg, de Grégoire Onama, a dit que tu as fait un prout dans sa cuisine. Tu partais faire quoi dans sa cuisine? On t'invite que... C'est pour ça que tes collègues ministres ne t'invitent pas chez eux. C'est pour ça qu'ils ne t'invitent pas. Parce que, par exemple, tu t'es retrouvé dans la cuisine de Grégoire Ona. Seulement que tu pars dans la maison de ton collègue, tu pars déjà te retrouver dans sa cuisine. Et comme si ça ne suffisait pas, tu fais un prout dedans, alors que sa femme est dedans. Tous tes collègues te prennent pour le pire des villageois. Je t'ai dit... Tu sais comment Lorenzo t'appelle? Lorenzo, ton patron, Lorenzo, il t'appelle le bouffon. Oui, oui, oui. Ton patron t'appelle le bouffon, Fort Jacotopon. Aucun d'eux ne te respecte. Aucun d'eux ne te respecte. Et c'est ici, dès que tu arrives ici à la clinique, c'est là où tu viens dire qu'on doit te dire excellence. Tu ne peux pas aller dire excellence à Margamboa qui dit que tu es un fou. Qu'on t'appelle le fou du village. C'est ici, Fort Jacotopon. C'est ici, à la clinique, que tu viens demander ton excellence. Tu n'auras aucune excellence. Tu n'auras aucune excellence. Les enfants, vous savez pourquoi il ne sera jamais excellent, ce bonhomme? Écoutez-le. Voici quelqu'un qui parle à tout un peuple. Et quand tu fermes ta bouche, ok? Tu la fermes. Comme ton ami, tu me la fermes, Fort Jacotopon, espèce de ministre sans respect. Oui. Si tu ne donnes pas le cadeau ou les applaudissements au gouvernement, comment veux-tu qu'il crée la sous-préfecture à Fongotobon, qu'il crée le lycée à Fongotobon, qu'il crée les routes à Fongotobon? Donc tu estimes, Jean de Dieu Momo, que pour que le gouvernement crée une route, une sous-préfecture, il faut donner des applaudissements. Le gars dit qu'il faut donner des applaudissements au gouvernement si on veut que le gouvernement crée une sous-préfecture, un hôpital à Fongotongo. T'as créé à Fongotongo, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Hein. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est consulté à Fongotongo. Qui crée les routes à Fongotongo? Pendant qu'on crée à Fongotongo, les gens de Yokadouma attendent aussi leur tour. Hein. Les gens de Tibati attendent leur tour. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde. Oh. Dans une famille polygamique. Le gouvernement est comme le papa de tout le monde. Dans une famille polygamique. Espèce de villageois. Tu réduis tout un peuple. Tu crois vraiment que le Cameroun, c'est quoi? Quand je te dis que même tes collègues, quand ils écoutent ça, ils peuvent mourir de rire. Ils peuvent mourir de rire. Et chaque femme doit préparer et donner au gouvernement. Faire en sorte et applaudir. Quand tu respectes ton mari. Ça veut dire que, comme je vous dis, chaque femme doit préparer et donner au gouvernement et applaudir. Ça veut dire que vous, le peuple, vous devez, dès que vous finissez le travail, vous devez seulement aller donner au gouvernement et applaudir. Et applaudir. N'oubliez pas. Regarde ça. Regarde. Tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Tu vas goûter une avant de sortir d'ici. Il se cache pour te donner un peu, non?
regarder ce qu'il dit. Quand tu prépares une femme, doit préparer et donner au gouvernement. Faire et applaudir. Quand tu respectes ton mari, il se cache pour te donner un peu, non? Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari, il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent, non? C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours. Le clientélisme est légalisé. Voilà un bonhomme. Quand je vous dis que même ses collègues, même tes collègues, non, ils ne te considèrent pas. Ils ne te considèrent pas. Ça, ça s'appelle de la zombification des masses. Et il est dans un village, à Fongotongo. Il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Il part encore abrutir les petits vieux. Il dit que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'insulter le gouvernement, d'insulter le gouvernement. Quand tu prépares bien, tu donnes à ton mari. Il se cache doucement. Les autres co-épouses ne voient pas, ils te donnent. C'est comme ça aussi dans le gouvernement. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que pardon, vous donnez notre route, donne-nous un hôpital. Si vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition, ça veut dire que si vous êtes un opposant, n'est plus Camerounais. Un opposant politique, Fodja Kotopong est en train d'expliquer que non, un opposant, c'est un danger. C'est un danger. Il faut que vous voyez où on est arrivé. Parce que pour qu'on décide de faire de Fodja Kotopong un ministre de quelque chose, il faut avoir une volonté fondamentale d'abrutir les masses. Si tu n'as pas envie d'abrutir, si tu veux seulement éveiller un peu, tu ne peux pas donner même le micro à ce bonhomme. Pas du tout. Les enfants vont naître. Mais ça, vous êtes toujours en train d'insulter le gouvernement, d'aller avec l'opposition. Vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que pardon, vous donnez notre route, donne-nous un hôpital où les enfants vont naître. Mais ça. Ça veut dire que si vous partez avec l'opposition, vous osez insulter le gouvernement. Ah, vous n'aurez jamais. Il n'y aura pas d'hôpital dans votre village. Il n'y aura pas de route qui part dans votre village. Il n'y aura rien. Et il trouve que c'est normal. Ah, c'est lui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que. Vous allez vous mettre où pour demander au gouvernement que pardon, vous donnez notre route, donne-nous un hôpital où les enfants vont naître. Mais ça, il va donner à celui qui lui donne ça. Même vous, ne dites pas seulement que c'est pas bien. Même vous. Et dis un fort, Jacques Otopong. Les gars dans le sud, là, qui font toujours 100%, 100%, 100%, à Comdeux, San Melima, tous, ils font toujours 100%, 100%. Ils ont les routes. Ils ont les hôpitaux. Les gars du nord, extrême nord, Adamo, qui font toujours 100%, 100%, 100%. La fille du renouveau. La fille du renouveau. Tu as vu même, il y a même un puits d'eau. Ils font 100%, 100%. Mais les enfants discutent l'eau avec les chèvres dans la rigole. Fodja Kotopong, what are you talking about? Tu parles de quoi, frère? C'est vous, à la place de Pobia. Vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour, et qui ne l'applaudit pas. Vous faites quelque chose, il n'applaudit pas. Voilà. Si c'était vous-même, Pobia, vous allez donner quelque chose à quelqu'un qui chaque jour vous insulte. Chaque jour vous insulte, il fait quelque chose, vous n'applaudissez pas, tu n'applaudis pas. Il va te donner. Regarde-moi quelqu'un, Seigneur. Hey! Danger. Même vous, ne dites pas seulement que c'est pas bien. Même vous, si c'est vous à la place de pas bien, vous allez donner à celui qui vous insulte chaque jour. Et qui ne l'applaudit pas, vous faites quelque chose, il n'applaudit pas. Bouffon. Voilà alors ce que j'ai compris. Et je suis parti le retrouver. Maintenant, les gens qui sont en brousse, en train de commenter, vous êtes dans l'erreur totale. Et c'est pour ça que je voudrais inviter le pasteur à faire comme moi, à intégrer le nouveau discours. Le discours galvanisateur, le discours progressiste, le discours qui encourage l'État à grandir. Le discours qui va faire en sorte que le gouvernement va regarder que, hé, à Fongotongo, là, il y a un peu plus dynamique. Aidons-le. Donnons-le un peu plus d'école. Donnons-le le lycée. Donnons-le cette chose.
On dit souvent, vous ne pouvez pas diriger si vous n'aimez pas les gens. Vous ne pouvez pas être président. Pour être président, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Quand vous écoutez Fodja Koutoupoum, est-ce qu'il aime les gens, ce bonhomme? Est-ce qu'il a même l'étoffe de quelqu'un qui doit faire la politique? Est-ce qu'il pense même à quelqu'un, mais il est ministre? Ne faites pas, les autres vont le faire. Dans une famille polygamique, prépare ta nourriture bien même. Donne à ton mari, il va penser à toi. Insulte-le, il ne va pas penser à toi. Voilà ce que j'ai compris. Mais ça, moi, je l'insultais avant aussi. Je l'insultais, non. Quand j'ai arrêté de l'insulter, et j'ai dit, hey, papa, c'est toi qui avais raison. Moi, j'avais tort. Vous voyez là où il m'a mis, non? Non, vraiment. Fire, fire. Seigneur, j'ai tellement d'amour pour vous, les enfants, que mon cœur saigne quand j'écoute quelqu'un comme ça, il vous parle. Mon cœur saigne. C'est-à-dire, on ne peut pas légaliser le clientélisme, le rampage, la corruption morale, tout ça. Regardez. Pour que vous compreniez contre quoi on se bat. Et les gars applaudissent. Bon, si moi je n'avais pas été là, quel ministre serait venu accompagner vous? Mais ça, je suis là parce que vous nous marchez aussi. Hein? Et vous dites que vous n'avez pas profité de papa. Grâce à Nounou, vous avez profité parce que vous êtes venu pour... Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Ça commence à sentir mauvais. Ça commence à sentir... Je ne sais pas si ce sont tes pieds ou ta bouche. Je ne sais pas d'où sort cette odeur bizarre, Fodja Koutoupoum, mais dégage d'ici avant que cette clinique ne se transforme en une fosse septique. Casse-toi. C'est horrible, les enfants. C'était papa.